combat classe A en rencontre internationale France vs Italie. Le premier boxeur qui va venir nous rejoindre sur le ring est le boxeur coin bleu. Il représentera les couleurs de l'Italie, pensionnaire du club Pro Fighting Pologne. Je vous demande d'encourager comme il se doit le boxeur coin bleu, monsieur Muni Martin. Je vous demande d'accueillir monsieur Muni Martin. Monsieur Muni Martin, coin bleu pour l'Italie Pro Fighting Bologne. Coach et entraîneur monsieur Mario Zanotti et sans préavanti, 72 kilos, 343 combats, 28 victoires, 3 nuls. Monsieur Muni Martin pour l'Italie sera. Il sera opposé au Français, pensionnaire du team Lupini. Il a boxé les meilleurs. Il a boxé Guacao, Kunchak, Youssef Bougalem, Ben Hodge, où il a pris un titre mondial WBC ici à Sani. Il a boxé Yuri Besperti, Adelchini, Yuan Fogo. Il représente les couleurs de la France au plus haut niveau. Et j'aimerais Sani qu'on lui rende honneur. On va vous demander tous d'être debout pour accueillir les champions de Sani. Tout le monde debout, et je vais vous demander samedi un maximum de bruit pour le boxeur coin rouge, monsieur Thibaut Koulibaly. Thank you.
très joli rameau effectué donc par notre hôte italien, monsieur Meoni Martin, qui sera opposé donc à Jimmy Koulibaly du club Lumpini. Recommandation de notre officiel de la FMT, monsieur Julien Quentin, auprès de nos deux Nakmouais. Et voilà notre round girl, pensionnaire du club Lumpini elle aussi. Avec le panneau, on peut l'applaudir. Voilà, et elle va faire le tour du ring, et je demande aux spectateurs, s'il vous plaît, de l'applaudir. Pensionnaire du Lumpini est déjà round girl. Voilà donc rencontre internationale France vs Italie qui oppose donc Jimmy Koulibaly, qui avait boxé face à Rosario Presti, l'Italien, le dernier combat qu'il avait effectué ici à Saint-Denis. Nakmouais au centre, s'il vous plaît. Soigneur hors du ring, Nakmouais au centre. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît, Nakmouais au centre. Jimmy Grant qui marque son grand retour ici à Saint-Denis. Jimmy avec comme partenaire donc monsieur Lenoir pour cette rencontre France vs Italie à Saint-Denis, début de la première reprise. Fin de la première reprise.
prendre de l'eau, Ouais. Soigneur André, s'il vous plaît, Nakmoué au centre. Soigneur André, Nakmoué au centre.
Je veux qu'on applaudisse donc notre monsieur Léonie Martin et Jimmy Koulibaly. Et je vais appeler à venir me rejoindre sur le ring pour la mise de récompense, monsieur Djibril Cissé, qui nous fait l'honneur d'être présent ici ce soir à Saint-Denis, alias monsieur le Noir, monsieur Djibril Cissé, partenaire donc de monsieur Jimmy Koulibaly pour la mise de récompense. Alors monsieur Djibril Cissé, dit monsieur le Noir pour la remise des récompenses. Vraiment Jimmy Koulibaly qui porte son adversaire, monsieur Mary Martin. Avec la présence donc de monsieur Djibril Cissé. Et donc déclaré vainqueur. Et donc déclaré vainqueur de ce cinquième combat. Remise de récompense qui va être faite par monsieur Djibril Cissé, qui va avoir l'honneur donc de remettre donc les récompenses. Et je vais demander à monsieur Stéphane Peu de bien vouloir nous rejoindre. Monsieur Stéphane Peu, maire adjoint donc à la ville de Saint-Denis, monsieur Stéphane Peu pour la remise des récompenses. Voilà donc monsieur Stéphane Peu, maire adjoint à la ville de Saint-Denis avec donc monsieur Djibril Cissé, remise de récompense. Voilà Djibril Cissé qui porte notre route girl. Voilà donc remise de récompense. On va demander à notre ami italien bien vouloir rester. Remise de récompense qui va être faite donc par monsieur Stéphane Peu, maire adjoint, et par monsieur Djibril Cissé, partenaire donc de monsieur Jimmy Koulibaly, monsieur Lenoir, un grand joueur de foot émérite et qui suit la carrière de notre boxeur, monsieur Jimmy Koulibaly. Samedi, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse très fort le vainqueur de ce combat par KO à la deuxième reprise. Du bruit, s'il vous plaît, pour monsieur Jimmy Koulibaly. Monsieur Jimmy Cissé qui remet le trophée à monsieur Jimmy Koulibaly, et monsieur Stéphane Peu, maire adjoint à la ville de Saint-Denis, qui va remettre la récompense à monsieur Léonie Martin.